Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous nous trouvons au Salon des véhicules de loisirs de Paris-le-Bourget pour cette 56e édition. Alors oui, même si la météo n'est pas très clémente, les visiteurs sont quand même présents pour voir certains nombres de véhicules présentés, même si certains constructeurs n'ont pas pu venir. Et il y a tout de même pas mal de marques ici. Alors c'est parti pour une petite visite. Le groupe Rapido présente pour la première fois aujourd'hui en France une toute nouvelle série, la série CI. Derrière moi, un véhicule qui se nomme le C86i, un véhicule qui est relativement étroit puisqu'il mesure en largeur moins de 2,20 m, une exclusivité. Il faut savoir que dans la marque, avant, il existait des profilés sur cette série-ci et aujourd'hui, on peut en trouver donc des intégraux sur la série CI. Ici, nous nous trouvons chez Autostar qui présente sa nouvelle gamme Performance avec notamment un véhicule derrière nous qui se nomme le P680LJFD. C'est un véhicule qui mesure en largeur moins de 2,20 m et qui est hébergé pour la première fois sur un porteur Ford. On reste toujours sur porteur Ford, mais cette fois-ci en version 4x4 d'origine. La marque Font Vendôme présentait déjà son Fortivan. Aujourd'hui, on vous présente le Fortivan Duo. Chez Bavaria, on connaissait les vannes sur Renault Trafic court, ici juste dernièrement sur Renault Trafic long. Il s'agit du MC540BC qui mesure 5,48 m de long. La marque Euramobile présente dans sa gamme Profil AT sur Mercedes Sprinter un nouveau véhicule. Il s'agit ici du T726QF. Pour la première fois, la marque Ranger propose des véhicules comme vous le pouvez voir ici sur Renault Master. Il propose donc deux véhicules, le R559 et juste derrière moi, le R620.
Merci beaucoup d'avoir visionné cette première vidéo au Salon des véhicules de loisirs de Paris-Le Bourget. On espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre toute la semaine pour plus de vidéos sur notre page YouTube, mais aussi sur notre site internet. Bonne journée !